Salut à tous, c'est Aezo. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. J'étais voir les gens dans la rue et je leur ai montré une règle tout simplement. Et cette règle, elle servait à quoi? Je leur ai demandé jusqu'à où ils se l'enfonçaient pour pouvoir être satisfaits. Donc en gros, combien de centimètres il leur fallait pour être satisfaits. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner en activant la cloche de notification, à me dire dans les commentaires combien de centimètres vous faut pour être satisfait. Et moi, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Mon Nico, aujourd'hui, j'ai une question assez cocasse. Est-ce que vous allez répondre sincèrement? On va voir. C'est pas on va voir, moi je veux que tu me dises oui, je vais répondre sincèrement. Oui. Voilà. Et toi? Ouais. Du coup là on a une règle, rien de plus banal. Jusque là il n'y a rien de cocasse. Là c'est combien de centimètres te faut-il pour te satisfaire? Selon la règle. Si, soit tu connais une taille, soit tu regardes par rapport à là. Franchement ça dépend vraiment. C'est pas qu'une longueur. Mais non, à partir de 15 moi ça me va très bien. Ouais. À partir de 15, donc moins de 15. Ah, pas moi après, moi je suis pas. 15, c'est un peu compliqué. Enfin, faut savoir s'en servir après en dessous. Voilà. En dessous, faut savoir s'en servir. Ouais, plus ou moins, ouais. Et après au-dessus, même si tu sais pas t'en servir, vu que la taille est au-dessus. Faut quand même toujours savoir utiliser la bête. Ouais. Et du coup, on va dire le plus gros, le truc le plus. Ça serait vraiment impossible, ça serait quoi la limite? Après 25, on en parle plus. Même après 23. Ouais, après 23, c'est pas possible. Non, ça devient chiant, ouais. Non. Donc ça peut aller jusqu'à 23. Ouais, ouais. Si ça va au-dessus. C'est pas une question de centimètres qui me satisfait. C'est quoi alors? Bah, plus la façon. Manière de s'y prendre que bah, c'est un argument, oui. Et toi? Bah, clairement, pareil, je trouve que les centimètres ça n'a aucune importance tant que c'est bien géré, quoi. Donc, est-ce qu'il y aurait un minimum quand même? Parce que, par exemple, même si c'est bien s'en servir, si ça fait 5. Je sais pas, parce que étant donné que le point G est à 3 cm. Je sais pas, 3 cm c'est suffisant. Donc logiquement, à partir de 3, c'est suffisant. Bah ouais. C'est plus l'épaisseur que la longueur en fait. Et donc l'épaisseur, toi, on va dire, ça serait. Oh, je sais pas. Justement, c'est toi qui as été dans ce sujet. Moi, à la base, c'était la longueur, c'était pas la. Non, moi, je dirais rien sur l'épaisseur parce que je trouve que c'est pareil, ça change rien. Ouais. Donc si ça fait 1 mm, 3 cm, c'est bon. Et du coup, la deuxième question, le plus gros, on va dire, et que ça, là, ça pourrait pas aller plus loin, ça serait impossible, inimaginable, ça serait quoi par rapport à ça? Déjà, cette règle, c'est mort. Oui. Bah du coup, 30, oui. Je constate 30, c'est peut-être trop. Du coup, quoi, 15, 20. Bah, ça dépend. De toute façon, tu peux en avoir une de 20, mais pas la mettre en entier, tu vois. Ouais, mais là, on parle de en entier. En entier, 20, ça paraît quand même vraiment gros. Ben, je me rends pas compte. Après, là, il y a un petit peu de centimètres qui gagnent. Début, là. Je pense que bah, 20 c'est déjà bien. Quoi. 20, mal, le max. C'est déjà bien. Ouais. Tous les deux 20. Ouais. Alors s'il n'y a pas la taille que tu veux sur la règle, si c'est plus de 30, bah tu me dis plus de 30, hein. Ouais, non, Hein? N'abusons pas quand même. Non. Je dirais 14-15. 14-15, ici à peu près. Ouais. C'est la moyenne, basique. Mm. Et tu penses que ça serait quoi le plus gros, genre impossible, ou ça pourrait aller, genre au-dessus, c'est impossible? Genre là, par rapport à ça. Genre si ça va au-dessus de 15, par exemple, ça va. Ouais, mais... Je dirais, ouais, 24-25, pas plus. Ouais. Bon, aujourd'hui, je vais te poser une question assez cocasse. Est-ce que tu vas répondre honnêtement? Je vais répondre honnêtement. Sur à 100%? À 100%. Du coup, là, devant toi, j'ai une règle. Ce qu'il y a de plus banal, tu vois, une règle, tu vois, 0 à 30, voilà. Ouais. Et aujourd'hui, la question, c'est tout simplement, combien de centimètres te faut-il pour te satisfaire? J'ai prévenu que c'était assez cocasse. Ok. Après, si ça va au-dessus de 30, tu peux me dire au-dessus de 30, hein, mais j'avais pas plus grand. Non, je pense que ça va aller 30. Donc ça serait combien pour te satisfaire? Sachant que j'ai un copain, faut pas le vexer. Après c'est pas grave, hein, ça peut très bien être... Je peux faire une moyenne, une tranche? Bah entre les deux, ouais. Ok, je dirais de 17 à 22. 17 à 22 c'est bien. 18 à 22. 18, 19, ça, dans une seconde ça va être 20, après 21, 20. Donc c'est de 18, 19 à 22. Ouais. Et du coup clairement le plus gros, où là par contre tu peux pas aller plus au dessus, c'est mort. Ça serait combien? 25. 25, donc ça serait à peu près là. Ouais, c'est... 23. 23? Ouais, 23. Donc ça serait à peine 1 cm de plus que ce qu'il faut pour te satisfaire. Voilà, c'est ça. Tu vas pas tenter plus haut, toi. Voilà, c'est ça, c'est sur un fil en fait. Un peu plus haut, c'est trop. Selon la règle. Tu peux donner à une tranche, on va dire. Faut que je me rappelle. Bon, bah on va passer à toi en attendant. Bah, je sais pas. 10, 15. 15. Ouais, 15. Ouais, 15. 15 aussi. Ouais. Et toi? Ouais. Voilà, ce que j'ai retenu d'elle, c'est... Il n'y a pas ça, ce motif sur la règle, donc je peux pas... 15 aussi? Ouais, 15. Minimum, du coup, 15. Ouais. Et du coup, le maximum, vraiment, et après, ça pourrait pas aller au-dessus, ça serait combien? Parce que 15, on va dire, ça serait pour satisfaire, mais ça peut être plus aussi.
Du coup, ça serait combien le maximum là selon ça? Si c'est au-dessus de 30, bah j'ai pas une règle plus grande. J'en sais pas. Oui, enfin, à partir de 20. Maximum. Ouais. Et si on va dire c'est 21, mais ça va, ça, il sait bien s'y faire, tout ça, tout ça. Ouais, bah oui. Et si c'est 25? Non. Je sais pas, hein, peut-être, on sait jamais. Du coup, ouais, c'est 20, 21 maxi quoi. Ouais. Ah, y a pas la règle, c'est comment il... Bon, déjà, faut pas que ce soit minus, mais... Donc, bah, déjà, un minimum. Donne-moi un minimum par rapport à là. Déjà, on va dire à peu près comme ça. Minimum 10. Entre guillemets, ouais. Mais déjà, c'est comment il s'en sert. Ouais. Donc, si ça fait 10 et il sait s'en servir, c'est bon. Ça peut être pas mal, ouais. D'accord. Et toi? Ouais, carrément, pareil, je dirais. Mais 10, c'est pas mal. Ça, c'est le minimum. Bah, minimum. Mais... il faut savoir s'en servir parce que si t'en as une comme ça et que tu sais pas t'en servir, ça sert à rien, tu vois. Et du coup, le minimum, ça resterait 10. Trop grand, des fois, ça fait mal aussi. Ouais. Hein, donc bah, justement, c'est bien, on en vient à la question, c'est quoi le maximum du coup là par rapport à ça? Après, peut-être 30, c'est plus, hein, mais il y a pas écrit, j'avais pas plus grand. Mais si tu, si pour toi 40 c'est maximum, ça me va. Hein. C'est déjà un peu trop 30. Pour toi, ça serait combien? Tu peux me donner une tranche par exemple entre 20 et 28. Hein. Oula, mais t'es large déjà. Non, mais ça, c'est un indice et je te donne. En vrai, je dirais 20. En fait. 20 maximum. C'est beaucoup. Hein. Déjà, et encore, 20, c'est quand même beaucoup, beaucoup. Hein. Faut vraiment que le mec, il vole le coup. Quoi. Et toi? Moi, j'ai même pas d'idée, en vrai. Je suis en train de visualiser, là. 16. Moi, j'aurais dit entre 15 et 20, c'est bien. 15 et 20? Ouais, 15 et 20, c'est bien. Ouais, ça laisse quand même... Bah, ça fait 5 cm de marge. Ouais, bah, il me faut moins de marge. Moins de là, 15, 20, ça fait... 17 et 20, ouais, c'est bon? 17 et 20? Ouais, voilà. C'est bon, c'est valable pour moi. Donc, ça serait 20 maximum. Ça, faut vraiment que le mec il mêle le coup parce que c'est déjà beaucoup.